Bonjour à tous, c'est Hervé. Aujourd'hui, avec Bridellis, partons en pique-nique avec deux recettes très sympas à emporter. Pour réaliser les mini cakes au thon et au saumon, vous aurez besoin d'herbes fraîches, aneth, ici de la ciboulette, du thon égoutté et du saumon fumé. Également du comté râpé, un petit peu de levure chimique, de farine, du concentré tomate, des œufs frais, 4 œufs et une brique complète de crème légère semi-épaisse. Je vais rajouter le concentré de tomate et on va battre tout ça avec notre petit fouet à main. Voilà, vous ciselez vos herbes bien fin et on rajoute ça à la préparation. Parfait, on continue à mélanger. On va ajouter à ce stade la levure chimique, la farine, progressivement. Une version plus légère, regardez, belle crème onctueuse. Hop. Il ne me reste plus qu'à rajouter les miettes de thon, les petits dés de saumon fumé et le comté râpé. On va mettre un petit tour de poivre et on sera prêt. Et ça va cuire à peu près 30 à 40 minutes à 200 degrés. Pour réaliser les petits clafoutis individuels à la cerise et à l'amande, vous aurez besoin de poudre d'amande, de farine, de lait, de sucre, ici je prends de la cassonade, des œufs, des belles cerises et bien sûr de la crème légère fluide. Je vais casser les œufs et mélanger avec le sucre. Voilà, et on va rajouter à présent ici l'amande en poudre. La farine, on la mélange bien pour éviter la formation de grumeaux. Je rajoute à présent la brique de crème, donc 20 cl. Et enfin, vous rajoutez le lait, du lait demi-écrémé ici. Alors, comme je suis sympa, j'ai découpé mes cerises en morceaux. Vous pouvez utiliser un dénoyauteur pour pas qu'il y ait de noyaux, ce sera plus sympa pour les convives. Vous les roulez rapidement dans un petit peu de cassonade, de sucre. Voilà, et je vais venir les déposer donc au fond de mes petits moules individuels. Vous remplissez aux deux tiers de la préparation. Et ça va cuire pendant 30 à 40 minutes à 180 degrés. Nickel. Un petit peu de sucre glace par-dessus. Et voilà, nos petits clafoutis de cerises bien sympas. Et ici, nos jolis cakes au thon. Donc décorez-les avec les herbes fraîches, ça va être juste délicieux. Et bien moi je vous dis à très vite avec Bridellis pour de nouvelles recettes.